Radio de je ne sais quelle époque. Et quelles sont ces chansons qu'on joue là? Hey, ne dis rien sur cette radio, tu entends? C'est ma belle-mère qui me l'avait donnée. D'accord, mais on peut échanger de chansons. Je devrais mettre une autre chanson et je dois sortir de cette situation. Je vais le faire. Oui, faites-le s'il vous plaît. J'ai du travail, moi. Et oui, mettez votre chemise. Eh bien, tu as des yeux aussi. Tu jouais des chansons ou bien tu la taquinais? Je l'avais empruntée pour la porter au café. Je l'ai fait nettoyer à sec. Ah, mais Pragati, garde-la et te va vraiment très bien. Comme c'est important, réponds donc. Ne t'inquiète pas, je vais sortir. Ah, mais non, Pragati, attends une minute. Ce n'est pas aussi important et... En fait, la chose est que voilà. À plusieurs reprises, Dev me téléphone. Il veut me forcer à aller à un rendez-vous, et c'est pour ça que j'évite tous ses appels. Mais pourquoi? Pourquoi tu ignores ses appels, hein? Priya, tu ne sais pas que Dev est le genre de garçon à ne pas ignorer? Écoute, Marco, ah non, c'est toi qui m'écoutes. Ragbir, Pragati, pourquoi vous ne lui expliquez pas, vous? Elle se prend tout le temps la tête et ainsi elle gâche tout à la fin. Écoute, Priya. Essaye de faire un petit effort, d'accord? S'il y a eu quelque chose, alors... Alors oublie-le et pardonne-lui, allez. Qu'y a-t-il? C'est un bon garçon. Mais... Où est Priya? Il est gentil et sincère. Mais Pragati, moi je veux un garçon tout comme mon frère Ragbir. Quoi? Rien que ça? Alors, le problème est réglé? Dev, tout comme ton grand frère, comprend les sentiments de tout le monde. Mais Pragati... Non, tu dois m'écouter. L'autre jour au café, j'étais vraiment fâchée. Tu te rappelles alors comment ton frère m'avait calmée? Et puis quand maman m'avait grondée, je... Je le savais depuis le premier jour que cette fille-là est venue pour briser notre famille. Fille de rien du tout. Maman, cette fille n'est pas n'importe qui. Elle est ma femme. Ton grand frère avait pris position pour moi. Alors dis-moi, est-ce que Dev lui aussi ne comprend pas tes sentiments comme ça? Ton grand frère se soucie de tout ce qui me concerne. En fait, pas seulement moi, mais toi, Nakul et encore Shefali. Il s'inquiète pour nous tous. Maman, grand-mère, il fait tout ce qu'il peut pour nous. Il veut rendre tout le monde heureux. Dev, lui aussi, est comme ça. Quand le gâteau est tombé l'autre jour et que tu t'es énervé,
Rappelle-toi comment il a simplement réparé le gâteau. Parce qu'il voulait que tu sois heureuse. Priya, je voulais juste te voir heureuse, c'est tout. C'est pour ça que j'ai fait faire le gâteau. Le plus beau dans tout ça, quand ce jour-là, le serpent est entré dans ta chambre, sans penser à lui, il a risqué sa vie pour sauver la tienne. Et de la même manière, ton frère m'a sauvé la vie hier. Chaque personne veut que, dans leur vie, il y ait quelqu'un qui la comprend et qui prend soin d'elle, qu'elle aime plus qu'il ne s'aime lui-même. Ton frère a fait cela pour moi. Et Dev, lui, il fait ça pour toi. Alors dis-moi, toi, est-ce que Dev n'est pas comme ton frère, hein? Je pense que tu as raison, Pragati. Je pense que je dois aller lui parler. Mais j'ai une condition. Vous devrez venir avec moi. Non! Pas non, mais oui. Oui! Allez, venez avec moi, comme ça je vais me sentir confortable avec Dev. S'il te plaît, allez, accepte, pour moi. D'accord? Oui, Ragbir, accepte, s'il te plaît. Parce que si tu n'y vas pas, elle n'ira pas non plus. Oui, je n'irai pas. D'accord. Oui! Alors réponds-moi! Est-ce que tu vas faire attendre mon futur beau-frère? Tu ne vas pas te taire, d'accord, toi. Alors réponds au téléphone! Excusez-moi. Eh ben dis donc, enfin libéré. Oh, la paix. Enfin, je me repose. Tout ce temps à prétendre être un bon fils, un bon frère et un bon mari, et une bonne personne devant tout le monde, ça fatigue. Jouer ces rôles n'est pas aussi facile que les gens ont tendance à penser. Allons, mon cher Arshad. Profite de ta vraie vie. Après tout, tu es ce que tu es. Santé. Je vais partir après avoir bu un petit verre. Mais non, tu ne boiras pas. Ah, mais tu ne boiras même pas une gorgée. Allô? Ce sera fait. Je m'en occuperai. Voilà arrivé le temps que j'attendais depuis si longtemps déjà. En fait, je reste à me demander si je n'ai pas fait une erreur d'aller à un rendez-vous avec Pragati. Oh, mais je le fais pour Priya. Peu importe, et puisque j'ai accepté, faut bien que je le fasse. On l'a fait! On l'a fait! Eh bien, ça devait arriver. Pauvre, elle devait bien mourir un jour. Je lui ai souhaité longue vie, mais je ne l'ai pas laissé vivre. Moi, je l'ai tué. Mais non, voyons, c'est moi qui l'ai tué. Je l'ai tué, moi. Non, je l'ai tué. C'est moi, oui. Je l'ai tué. C'est moi. C'est moi qui l'ai tué.
Qu'est-ce qui m'a tué? Qui m'a tué? Qui m'a tué? J'ai si peur. Qui sont ces gens? Qui m'a tué? Pagati. Ces gens. Mais quoi, voyons? Ces gens veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Pagati. Ils veulent me. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? T'as rien vu, c'était qu'un cauchemar, c'est tout. Quels gens? Qu'est-ce que tu as vu? Pagati, pourquoi est-ce que tu fais de telles promesses à chaque fois? C'est pour ça que tu fais tous ces cauchemars. Allez, rendors-toi. Allonge-toi. Moi, je suis pas loin. N'aie pas peur, d'accord? Tant que je n'aurai pas celui qui a essayé de me tuer, je ferai de tels cauchemars. Qui c'était? Et pourquoi il voulait me tuer? C'était une personne ou plusieurs? Tu la tête. Vous n'êtes pas blessé, laissez-moi regarder. Une minute, je regarde. Je ne le suis pas. Mais la place où tu te trouves là maintenant, eh bien je trouve que c'est la place que tu mérites. Des personnes comme toi, elles doivent enfin tomber à nos pieds. Tomber aux pieds de ses aînés, ne nous diminue pas. Oui, mais s'incliner devant le mal affecte définitivement l'estime de soi. L'estime de soi? Vraiment, quelle belle parole! À force de dire de telles belles paroles, tu as gagné toute la famille de ton côté, n'est-ce pas? Et oui, regarde! Kunti, Devraj, Shefali, Priya, Nakul, est-ce que tu sais comment ils te voient? Hein? Comme leur favori! Mais maman! En plus de cela, tu as même marqué le coup de l'as dans cette maison! Ragbir! De plus, moi je ne comprends pas ce que tu as pu faire avec son esprit pour qu'il ait pu l'autre jour oublier complètement sa chère Bani. Ah mais, il a aussi oublié sa propre mère. Il s'est mis à se bagarrer avec moi. Tu es une très bonne actrice, toi. Maintenant, regarde, parfois tu lui sauves la vie en devenant une super-héroïne. Sinon, tu es une fille en détresse et tu te noies dans l'eau afin qu'il puisse se sauver et qu'il devienne proche de toi, n'est-ce pas? Mais maman, c'est faux ce que vous pensez. Ça ne sert à rien de vous parler. Tu es tellement pressée de regagner la chambre de Ragbir. Tu as l'air d'être une fille toute simple. Mais depuis que tu es devenue une femme mariée, tu as trouvé ta place, je dois dire. Tu as l'air d'être une fille toute simple, mais depuis que tu es devenue une femme mariée, tu as trouvé ta place, je dois dire. Allô? Tu es toujours en train d'essayer de trouver qui est la personne qui a voulu te tuer? Si tu veux avoir des preuves solides, viens à la rue MC tout de suite. Maintenant, sur le champ. Allô? Allô? Allô, qui me parle? Qui? C'est un numéro privé, je ne peux pas le joindre. J'avais perdu tout espoir. Mais vous venez de me montrer un chemin. Merci, mon Dieu. Merci. Thank you.
Tu es en train de vouloir trouver ce que tu n'aurais jamais dû apprendre. Tu es beaucoup trop curieuse. Mais voilà, désormais tu ne pourras plus jamais rien faire, je te jure. Au revoir. Pour toujours. Je ne sais pas qui est cette personne qui m'a appelée. Mais grâce à elle, je vais enfin découvrir qui a voulu me tuer. Pourquoi les freins ne marchent pas ? Pagati ! Pagati ! Ces freins ! Pourquoi les freins ne marchent pas ? Ragbir. Où est Pragati ? Qu'est-ce qu'il y a, Ragbir ? Je ne sais pas. Pragati, où es-tu ? Mais calme-toi, Ragbir. Qu'est-ce qui se passe, Ragbir ? Pourquoi tu cherches Pragati ? Pragati n'est pas dans la chambre. Ah, mais elle était dans la cuisine et buvait de l'eau. Non, non, elle n'y est pas, je viens de regarder. Pourquoi tu as peur comme ça ? Tu as regardé sur la terrasse ? Mais Ragbir ! Oui, j'ai regardé partout dans la maison, maintenant je l'appelle, mais elle ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe ? Mais elle a pu aller faire une marche. Si c'est elle, calme, l'aurait dit avant, maman. Ragbir, tu le sais bien, n'est-ce pas ? C'est son habitude. Bien des fois, elle quitte la maison sans te le dire. Pragati, mais où es-tu ? Je suis en train de te chercher partout. T'es pas dans la chambre. Moi, je suis inquiet pour toi et tu ne m'as même pas informé. Qu'est-ce qu'il y a, Ragbir ? Qu'est-ce qu'il y a, Ragbir ? Pragati a fait un accident. Accident ? Tu fais quoi ici, hein ? Où a lieu l'accident ? Maman ! Ragbir ! Nakul ! Monsieur, c'est moi qui vous ai appelé. Je vis tout près d'ici. J'ai trouvé ce portable près de la voiture, alors je vous ai appelé. Où est Pragati ? Dans la voiture. Ragbir, non, Ragbir, il faut que je reste ici. Lâchez-moi, voyons. Ragbir, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux.